Surnommés les porteurs de la ruine bénite par les autres membres du culte Mechanicus, l'Ordo Reductor est une branche militaire hautement spécialisée et indépendante du Mechanicus, dont le rôle sacré est de détruire, massacrer et briser. Ils incarnent la nature de l'Omni-Messie, non pas sous son aspect de créateur ou de la personnification de la connaissance, mais sous son aspect destructeur et d'artisan de la mort. Le préfixe de leur titre, qui est inhabituel pour des serviteurs du Mechanicum, leur fut donné suite à l'alliance que l'Empereur de l'Humanité et les Seigneurs de Mars scellèrent. Les origines de ce corps d'armée remonteraient cependant à l'époque de l'ère des luttes. C'est par ce traité que l'Ordo Reductor fut créé dans le but explicite de démanteler et de détruire ceux qui pourraient s'opposer à la Grande Croisade et à l'Imperium, un devoir qu'ils ont continué à honorer après l'hérésie d'Horus, bien que leur apparition soit plus rare. Lorsqu'une nouvelle forme de vie xéno redoutable était rencontrée et ne succombait pas face aux armes des différentes forces impériales, c'étaient les magos biologistes de l'Ordo Reductor qui devaient trouver un moyen de les tuer. Lorsqu'un techno-empire humain récalcitrant résistait aux flottes de la Grande Croisade, ce sont les précepteurs de l'Ordo Reductor qui observaient et analysaient leurs armes et leurs défenses pour trouver leurs faiblesses. Ou encore lorsqu'une forteresse semblait imprenable, c'était l'Ordo qui devait trouver un moyen de la détruire. Les effectifs de l'Ordo Reductor ont toujours été relativement faibles, puisqu'ils n'étaient constitués que d'une poignée de magos parmi les plus belliqueux de Mars durant la Grande Croisade. Même si d'autres mondes-forges furent ramenés dans les rangs au fur et à mesure du temps, leur nombre n'a pas augmenté de manière significative pour autant. Il est fréquent que les technoprêtres et les magos envoyés à l'Ordo Reductor par les mondes-forges, ainsi que ceux qui souhaitent rentrer dans ces rangs de leur plein gré, soient considérés comme des parias. Ces derniers étant soit estimés par leurs pairs comme des hérétiques dans leur penchant, soit trop indépendants et psychologiquement instables. Toutefois, au sein de l'Ordo Reductor, ces individus se voient attribuer un objectif afin de servir les intérêts de l'Omni-Messie et de son œuvre, tout en étant éloignés de la politique féodale de leurs mondes-forges respectifs. Bien qu'ils deviennent des étrangers pour leur monde forge, ils ne sont pas considérés avec la même suspicion et méfiance par les autres branches militaires du Mechanicus. Et au contraire, ils entretiennent de bonnes relations, comme c'est le cas avec la Legio Cybernetica. Chaque groupe armé de l'Ordo Reductor, également appelé Alliance, est constitué de magos, de serviteurs et de machines de guerre. Ces derniers sont basés presque exclusivement sur des vaisseaux de guerre de classe Galeas. Ces vaisseaux sont spécialement configurés pour leurs tâches, en étant notamment capables de parcourir de longues distances tout en étant autosuffisants. Déjà à l'époque de la Grande Croisade, ce sont ces vaisseaux qui servaient à la fois de transport et de base permanente pour les Alliances, des domaines qu'ils préservaient jalousement, y compris de leurs semblables du Mechanicum. Les capitaines de l'Armada Imperialis surnommaient ces vaisseaux les Vautours des Reins, voyant leurs occupants comme des mendiants et nomades qui passaient d'une zone de guerre à l'autre en fonction des campagnes, de la volonté des primarques ou d'un autre grand seigneur de l'Imperium. En effet, les Alliances servaient le plus souvent les différentes flottes expéditionnaires et les forces des Légionnaires Astartes en tant que collecteurs de renseignements, d'aide à la planification et de spécialistes dans les arts de la mort. Ainsi, leurs connaissances et conseils permirent à l'Imperium de remporter de nombreuses victoires. Autrement dit, les Alliances, aussi bien lors de la Grande Croisade que de nos jours, ne sont pas des conquérants à part entière, en raison de leur nombre de troupes relativement faibles. Leurs forces agissent rarement directement sur le champ de bataille, si ce n'est pour effectuer des raids ciblés et des frappes de reconnaissance avant l'avancée de la force principale. Néanmoins, après la bataille, ils parcourent régulièrement le champ de bataille, afin de dresser un bilan des morts et des véhicules détruits pour approfondir leurs connaissances. Cependant, il en est autrement lorsqu'il s'agit d'un siège, car pour les magos de l'Ordo Reductor, l'art du siège est à la fois une chose sublime et sombre. Dans cet art, les magos ne reconnaissent aucune force supérieure à la leur, et encore moins sont ceux capables de les égaler, à l'exception d'une poignée de primarques et de leur légion durant la Grande Croisade. Une prétention qui est encore plus grande chez les magos Reductor, qui sont au sommet de la hiérarchie de l'Ordo. Cependant, cette prétention n'est pas sans fondement, car lors d'innombrables sièges et assauts, les Alliances se sont avérées capables de briser des défenses considérées comme invincibles, et à survivre à des batailles où aucun humain et peut-être aucun Space Marine n'aurait pu combattre et survivre. La structure des Alliances de l'Ordo Reductor consiste à combattre et à opérer sous forme de groupes de guerre autonomes, capables de subvenir à leurs besoins dans la plupart des domaines.
Pour cela, les alliances sont composées d'un mélange de magos et de technoprêtres dont les spécialités vont de l'assaut tactique à la gestion de la puissance de feu de leur vaisseau en passant par l'analyse du champ de bataille et la production de munitions. Les armes qu'ils emploient sont nombreuses et mortelles, au-delà de celles employées par les autres forces armées de l'Imperium. En effet, il leur est accordé d'employer des armes et technologies interdites datant de l'âge de la technologie, ces dernières étant jugées trop imprévisibles et dangereuses pour être employées par des forces plus conventionnelles. De plus, de par le traité qu'il a créé, il bénéficie de l'autorisation, sous certaines conditions, de concevoir de nouvelles armes et machines de guerre afin de vaincre les innombrables ennemis de l'Imperium. Cette autorisation a porté ses fruits de nombreuses façons au cours des terribles guerres de la Grande Croisade. Du développement du Land Raider Achille en collaboration avec la Légion des Imperial Fists, au développement du puissant canon Eradicateur monté sur les machines de guerre Helion Minoris du Centurio Ordinatus, spécialement conçu pour les campagnes de Rangdan. Cependant, leur création la plus connue pour leur propre rang est le Talax, des troupes de choc cybernétiques lourdement augmentées, créées dans le but de remplacer les Skitari qui, en raison de leur statut indépendant, ne peuvent plus bénéficier de leur soutien. En plus de servir avant tout comme soldats de première ligne, les Talax, qui sont réputés pour être puissants et résistants, furent également offerts ou échangés à d'autres factions du Mechanicum au cours de la Grande Croisade, dont les forces Tagmata des différents mondes forges éloignés de Mars, mais aussi à des éléments de la Legio Cybernetica et de l'Auxilia Myrmidon, en échange d'accords réciproques d'approvisionnement et d'allégeance. Ceci a permis d'accroître considérablement la puissance et l'indépendance de l'Ordo Réducteur, mais a aussi contribué, selon certains, à l'affaiblissement du contrôle militaire direct de Mars sur les mondes forges les plus éloignés, durant les décennies précédant l'hérésie d'Horus. Quand bien même les alliances furent dispersées dans la galaxie au cours de la Grande Croisade, leur intégration avec les autres forces impériales fut un succès. Cela se manifestait notamment par la présence des armoiries et livrées des légions Space Marine au sein des alliances qui avaient combattu ensemble pendant une longue période. Par ailleurs, les honneurs de ces campagnes étaient fièrement inscrits sur les blindages de leurs machines de guerre et les armures de leurs troupes. Par conséquent, comme pour les autres branches militaires du Mechanicum, lorsque l'hérésie d'Horus éclata dans la galaxie et divisa les forces de l'Imperium, l'Ordo Réducteur en fit partie. Néanmoins, la majorité de l'Ordo rallia finalement la cause de l'Empereur plutôt que celle du Maître de Guerre, tandis qu'un petit nombre d'entre eux suivirent la même voie que certains des mondes forges les plus éloignés, en se déclarant neutres dans ce conflit. Ceci étant, il n'est pas clairement établi de pourquoi la plupart d'entre eux se rallièrent aux forces de l'Empereur. La théorie la plus répandue est que la majorité des alliances ont choisi d'honorer le traité à l'origine de leur création, tandis qu'une autre hypothèse veut qu'en s'opposant aux forces du Maître de Guerre, beaucoup aient vu un défi à la hauteur de leur maîtrise dans les arts de la guerre. Après les événements de l'hérésie d'Horus, l'activité de l'Ordo a drastiquement chuté, leur dernier engagement notable étant la croisade d'Aquilus et la 13ème croisade noire. Grâce aux alliances qu'ils forgèrent, notamment avec la Legio Cybernetica durant la Grande Croisade, l'Ordo utilise depuis lors certains de leurs automates de bataille comme le Silax ou encore le Thanatar. Ils utilisent également en grand nombre des modèles modifiés et améliorés de plateformes d'artillerie mobile et de canons automoteurs, plus communément trouvés dans les rangs des forces impériales. La plupart du temps, cela se traduit par l'utilisation d'un châssis de char sur lequel ils installent une arme adaptée aux besoins du champ de bataille, comme un lanceur Whirlwind, un canon démolisseur, un quadruple canon laser, un canon à fusion, un canon séisme, un canon Médusa ou encore un canon Colossus. De même, ils emploient une version modifiée du rarissime canon automoteur Minotaur. Les différents magos et technoprêtres l'apprécient particulièrement pour son design et son blindage qui leur permet de l'utiliser sur la ligne de front. Toutefois, ces véhicules et équipements sont la plupart du temps sacrifiés afin de préserver leurs engins de guerre considérés comme plus importants et sacrés, ce qui a tendance à provoquer la colère des organisations impériales. Les troupes de choc lourdement augmentées de l'Ordo Réducteur que sont les Talaxi diffèrent des régiments Skitari tant par leur fonction que par leur niveau unique de modification, notamment avec le Lorica Talax. Le Lorica Talax est une armure énergétique qui a été développée par l'Ordo à partir de la même technologie utilisée par les armures des Space Marines. Cependant, contrairement à celle utilisée par les Space Marines, le Lorica enveloppe les principaux organes, le système nerveux et le cerveau, tout en remplaçant entièrement le squelette et les membres par des structures mécaniques blindées, le tout étant alimenté par un réacteur énergétique. Par ailleurs, les émanations de ce dernier ne pourraient être supportées par un corps organique moins augmenté.
Il permet également aux Talax d'utiliser des armes extrêmement puissantes et des appareils sensoriels implantés tels que la vue de Jin, opérant au-delà du spectre habituel de la perception organique. Cependant, les effets secondaires de ces dispositifs sur les sujets sont une agonie permanente et une détérioration psychologique. Des effets atténués par l'excision chirurgicale du centre émotionnel et de la douleur du cerveau chez tous les sujets. Néanmoins, chacun d'entre eux conserve un certain degré de pensée humaine individuelle, bien plus qu'un simple serviteur. Ce qui pour certains au sein du Mechanicum frôle l'abomination, voire l'hérésie. Étant donné les ressources nécessaires et le fait que le désir de vivre du sujet est un facteur déterminant pour conserver une certaine forme de santé mentale, la transformation en Talax est souvent réservée aux gardes de la forge et aux Skitari, y compris lorsqu'ils sont grièvement blessés, et aux sujets obtenus à partir de sources plus mystérieuses par l'Ordo Réducteur. L'équipement standard d'un Talax est un fusil à foudre, une arme de corps à corps, de grenade frag et d'un réacteur dorsal. Le fusil à foudre est une arme ressemblant à une carabine au design baroque, et celle-ci est reliée au réacteur énergétique du Talax. Cette arme tire un rayon laser ionisant qui provoque une puissante décharge phasée de force électromagnétique, aussi efficace pour massacrer l'infanterie que pour surcharger les cibles mécaniques. Cependant, ils peuvent être également équipés d'autres armes lourdes, dont le multilaser, plus communément équipé sur les sentinelles ou encore les chimères, un fusil à plasma phasé, d'un irad cleanser, une arme antipersonnelle datant de l'âge de la technologie libérant un puissant rayon de radiation mortelle à spectre croisé, d'un multifuseur et enfin d'un propulseur à photon qui projette un faisceau capable de percer même la matière la plus dense. Mais ces armes sont particulièrement instables et peuvent provoquer des défaillances catastrophiques. Développés vers la fin de la Grande Croisade, les Ursarax furent d'abord conçus par le Magos Explorator et Nabrin Falcon, en tant qu'unité de combat rapprochée rapide et lourdement armée pour son propre usage. Ces derniers utilisent une fusion de technologies sacrées du Mechanicum, de matériaux et de schémas empruntés au Talax de l'Ordo Réducteur dont le Lorica Talax est le fruit des propres découvertes de Falcon. Après la mystérieuse disparition de Falcon, ses acolytes se sont dispersés pour servir d'autres Magos, emportant par la même occasion avec eux les secrets de la conception des Ursarax. Il est donc fort à parier que l'un d'entre eux a fini par rejoindre l'Ordo Réducteur, qui par la suite les déployèrent en grand nombre. L'équipement de base d'un Ursarax est composé de deux griffes éclairs pouvant être remplacées par des points énergétiques, d'un incinérateur Volkit, de grenades à fragmentation et d'un réacteur dorsal. L'incinérateur Volkit est intégré à la poitrine de chaque Ursarax, ce qui lui permet d'attaquer ses victimes à distance avec un rayon mortel, mais aussi de l'utiliser à bout portant lorsqu'ils saisissent leurs ennemis afin de les achever à coup sûr. Finalement, que ce soit par leurs pièces d'artillerie, leurs automates de bataille ou encore leurs unités de choc telles que les Ursarax et les Talaxi, l'Ordo Réducteur est à même de soutenir leurs alliés ainsi que d'affronter n'importe quel adversaire connu de l'Imperium. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire sous la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas le pouce bleu et à la partager sur les réseaux sociaux. Merci aux tipeurs pour leur soutien à la chaîne, et si vous avez également envie de la soutenir, un lien est disponible dans la description de la vidéo. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le lore de Warhammer 40 000.